Tu me fais mal à mon bras. Je sais. Depuis, lâche. Quand tu me diras que tu me fais mal à mon bras. Quand tu me diras que t'arrêteras. Bah, je peux pas arrêter. 5 ans. Je crois qu'à 5 ans, avec la force que t'as et la force qu'il a, tu penses qu'il peut retirer le coussin. Et avec la force que j'ai et la force que tu as, tu penses que tu vas réussir à me faire retirer le coussin de ton visage, tu penses? Non, je m'en fous. Tu t'en fous? Si je te mets une claque, tu t'en fous. Si tu mets un coup de tête, tu t'en fous. C'est ça? Non, mais... Ah, merci. Ça va être la même chose aussi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Me défendre. Bah, vas-y, défends-toi. Bah, je vous ai... Montre-moi, vas-y, défends-toi. Montre-moi qui tu es. C'est ça? T'as drôle d'humour, toi. Ça me fait pas rire de le dire, mais je rigole quand je le dis. C'est-à-dire que je le pense pas. Je veux savoir ce que je fais ici. Je veux savoir pourquoi aujourd'hui t'en es là. Je veux savoir pourquoi t'as quitté l'école à l'âge de 11 ans. Pourquoi aujourd'hui tu fais rien. Et encore, pourquoi tu joues ton grand. Je rigole. Ton cerveau, il est à l'endroit. Il faut que je te secoue la tête ou quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là. Je comprends pas là. Non, mais... J'ai déjà prouvé ma preuve. Donne-moi une réponse. T'apprends quoi? Bah, je sais pas, des mots. Qu'est-ce qu'il doit savoir? Qu'est-ce que je dois savoir sur la vie? Qu'est-ce que je dois? Déjà, c'est pas français ça. Le demi-frère? Non, je suis frère. Non. Si. Je suis frère. T'es frère de qui, toi? D'Estelle. Non. Cassandra. Non. Si. Tu me prends pour un pigeon, toi? Bah non, c'est la réalité. C'est, tu c'est pour vrai. Un pigeon. Non, si on me laisse tranquille. Moi, tu crois que j'ai un mec et j'ai des ailes, je vais m'envoler? C'est un vieux, non. Non. Si. Ah non. Si. T'as pas le même père, donc de quoi tu me parles? Oui, mais on s'en non, fout. Du quoi tu me parles? Donc déjà, réellement, de quoi tu me parles? Donc toi, tu prends le coussin et tu fais ça. C'est ça que tu fais. Encore. Oui. Encore. Allez. Encore. Allez, lève-toi. Lève-toi. Quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Non, qu'est-ce que je t'ai dit hier? Non, je m'en fous. Tu dors de quoi? Tu te lèves. T'as compris ou pas? Parce que tu veux pas te lever. Tu t'es énervé quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu bouges avec moi, toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi, fils de... Lâche-moi, tu te réveilles! Encore! Non, c'est pas ce que je t'ai dit! Encore! Désespérément silencieux, Philippe donne du fil à retordre à Pascal. C'est un coup de pied pour toi? C'est un coup de pied! Eh ouais, tu vois? Tu veux que je t'en mette un vraiment? Je te pousse comme ça le visage, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux avec moi? Pousse-moi, vas-y, mais vas-y, prends-moi quoi? Vas-y! Là, t'as un bonhomme face à toi. Vas-y, c'est quoi alors l'histoire? Armand se jette sur son marteau. Je vais te massacrer, toi! Alors, qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Je t'ai fait du mal, moi? Je n'ai... Vas-y, pousse-moi, vas-y! Allez, vas-y, pousse-moi! Allez, vas-y, Gaillard, vas-y! J'en ai marre, moi! Ouais, vas-y! Je comprends pas un mongol! Voilà, c'est ça! Oh, te prends pas un mongol! Pourquoi te prends pas un mongol? Dis-moi! Dis-moi pourquoi. Épisode de merde. Donc tu vas te faire un... Tout est mort. Ok. Comme il faut. Prochaine fois, tu ta bouche, ça m'a fait dans ton crâne et mon poing, ok. Je rien faire. On ne peut jamais sortir. On ne peut jamais rien faire. Tout, tu me prends. Tout mon salaire. Tout le salaire. Que c'est... Voilà, c'est ça. Imagine que c'est lui encore. Et toi qui te dis, Jordan, t'es pas mon fils. Je me casse pas! Je vais te barrer de ma chambre. Je te casse pas les couilles. Ce que je dois dire, c'est que je me déteste de faire ça. De te faire du mal. Tu fais du mal à ma famille. Ah. Allez, casse-toi la jambe. Ça, encore. C'est moi qui ai tiré. J'ai jamais été comme ça! Jamais! Et pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Pourquoi? Casse-toi. Casse-toi, je t'ai dit. Je t'ai dit, casse-toi. Je te dis que non. Ça tes épaules! Mon père, tout ce qu'il a su faire, c'est me détruire. À petit feu, petit à petit, et encore aujourd'hui, il continuera toute sa vie. Tu peux, j'ai presque! Bambou! Allez, voilà! Voilà! Face à cette violence, notre équipe est containte d'intervenir. Thérèse s'empresse déjà de préparer le déjeuner de son fils Benoît, un grand gaillard que la faim tiraille en permanence, prêt à tout casser lorsqu'il a l'estomac vide. Il faut mettre du sel, moi j'aime bien le sel. Mais du sel. Mais ta mère, dégage, qu'est-ce qui t'arrive là? Dégage, c'est moi. Mais alors ferme ta gueule, toi aussi laisse-moi penser qu'est-ce qui t'arrive à me bloquer là. Je dégage ta mère. T'as pas ta sœur, c'est bien à toi. Mais je tape qui je veux, d'accord. Allez, prête la bouffe. Donne-moi l'assiette.
Non, tu te lèves ton cul, tu t'assis ici pour manger. Ah, parce que faut te donner à manger. Je parle à toi, je parle à ta mère. Bon, tu viens manger? Il n'y a pas l'heure. Mon estomac, il n'y a pas faim. Elle est malade. Elle a la gastro-entérite. Non, elle a le goût sucré dans la bouche. Ça te va? Bah, c'est ça, tu sais, début. C'est dégueulasse. Bah, va te faire. Ah, si c'est dégueulasse, Benoît. Toi, t'es. Ah, t'as qu'à le faire toi-même. C'est louf, ça. Non, c'est pas du radouf. C'est du cochon, ça. Ah, oui, c'est du porc, c'est vrai. C'est bien, tiens, je joue avec la nourriture, hein. Bah, dis quelque chose, mon gars. Arrête, arrête. Quelques heures plus tard, Benoît se rend au supermarché accompagné de sa mère et de sa sœur. Ah, moi aussi, je prends un caddie. Je prends des gâteaux, j'ai faim. Ah, bah, c'est pas bon pour toi. Tu prends sans regarder le prix. Bah, c'est toi, tu payes. Tu me le prends. C'est quoi? Ah, c'est épilé. Pour épiler le poil du cul. Combien? Benoît. De retour à la maison, Benoît s'empresse de cacher les biscuits dans sa chambre. Réserve personnelle pour tenir jusqu'au repas du soir. À l'ouest, tu me la bûches. Tu vas rester l'ouest. À quel son? Je vais faire à manger, j'ai faim. Prête le roi. Hop, hop, hop. La tierce, je te donne. Donne-moi ton téléphone. Mais dégage, belle molle. Donne-moi ton téléphone. L'heure du déjeuner approche. Le jeune dictateur impose donc à sa mère une nouvelle visite au supermarché. À l'arrivée au magasin, Benoît est saisi par une envie soudaine, manger des gaufres. Prends le journal. Allez, pose ton journal. Avec moi, on sort bien. On va discuter de moi à l'extérieur, c'est mieux. Sinon, je t'affiche devant tout le monde, c'est ce que tu veux. Non, non, c'est bon. Alors, reviens sous moi. Quoi de ta vie aujourd'hui? Rien. Rien du tout? Tu as quel âge? 20 ans? 20 ans. Et tu végètes chez toi? Tu végètes, tu manges, tu glandes, tu manges, tu manges, tu glandes. Ça, ta vie? T'as pensé à ta santé? Notre éducateur a donc prévu de le confronter dès à présent et de manière frontale à ce problème. Ah bah voilà. Ah mais je mange pas ça. Ah bah écoute, il y a que ça de toute façon, je t'explique. Ah bah allez, tu vas prendre ton assiette et non, là, je vois. Bah laisse-le, c'est pas grave. Laisse-le, je laisse. Bah mange pas. C'est pas grave. Écoute, je mange pas, écoute. Bah tu manges pas, tu mangeras pas, c'est ton repas de ce soir. Donc si tu manges pas, c'est pas mon problème. Ça peut t'éclater. Tu pars mieux que ça. S'il te plaît, commence pas. Dépêche-toi. Je te laisse 5 minutes. Je te promets, je te laisse 5 minutes, tu vas te lever. Laurine, donne-moi ce téléphone. Ne me sers pas la matinée. Là ! Voilà. Comme ça, ça va t'aider à te lever, peut-être. Apparemment, je tape direct, en fait. Je peux pas parler. J'arrive pas. Tu te prépares ? Arrête ! Tu balances pas les affaires ! Touche-moi, Louane. Laurine, touche. Moi, je suis méchante. Ouais, t'es une garce, une sœur. Une garce. Ouais. Tu m'enlèves. Tu m'enlèves. Mais Laurine, qui de surcroît déteste se montrer sans être impeccablement maquillée, va une fois encore sortir de ses gonds. La garce. Arrête, Laurine. Oui, si tu sors pas de lit, moi, je vais te sortir ton lit. Je te le dis tout de suite. Tu vois? Et tout de suite, si tu sors pas toi-même de ton lit, moi je vais te sortir de ton lit. Donc soit je te donne une chance, tu te lèves tranquillement et ça se passe bien, soit j'y vais à la méthode Pascal. La méthode Pascal, à mon avis, tu vas vite être dégoûté. Pour moi. Jusqu'à toi. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Lâche-toi. Lâche-toi. Et... Ça, c'est parce que j'en ai marre que tu me traites comme un chien. Parle-moi. Tant que tu me parles pas, je te lâche pas. Tant que tu me parles pas, on reste là. Allez, je t'écoute. Je t'écoute. Tu vas prendre des coups avec moi. Regarde-moi, pourquoi tu me regardes? Ah, voilà. Ça, c'est la misère que tu me fais tous les jours. Ah, ça y est, enfin, tu lèves ton regard. C'est ça que je veux. C'est ça que tu veux, abandonner comme tu fais d'habitude. Abandonner et fuir, c'est ça que tu veux? Tu veux... Ça, c'est la misère que tu me fais tous les jours. Tu veux fuir? C'est ça que tu veux, tu veux fuir? Tu lâches rien. T'abandonnes pas. Par contre, tu veux que des... Ça. C'est la misère que tu me fais tous les jours, depuis des années. Connerie! Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi! Dis-moi ce que tu vas faire, dis-moi! Reste face à moi! Voilà! Voilà! Vas-y encore! Pouh! Je vais faire un malaise. On sait que tu mets des coups dans ton visage, c'est ça que je veux, regarde! T'as abandonné les gens, j'ai mal au cœur! T'as mal nulle part, ouais? Alors dis-moi! Ça, c'est parce que j'en ai marre que tu me traites comme un chien. Qu'est-ce qu'il y a? Alors?
Mais l'adolescente n'est pas prête à y mettre du sien. Dégoûtée par les mauvaises odeurs, Laurine ne fait pas le moindre effort. Énerve-toi, énerve-toi. Encore, 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 Laurine, allez. Je crois en toi. On avance pour viser ce qu'on n'a pas. La vie met des obstacles, j'ai des appâts. J'ai fait le bien autour de moi. Mais la vie m'a donné le jet d'âme.